Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors je suis chez Sonorisation 83. Oui. Au centre Hermès à Draguignan. C'est ça. Et vous êtes un spécialiste de la sonorisation, de l'organisation d'événements et c'est plus ça. Encore. Alors expliquez-moi un petit peu votre concept et depuis combien d'années vous êtes dans le métier. Alors, dans le métier, ça fait effectivement plusieurs années. La société a été créée en 2017, donc on était auto-entrepreneur avant. Et puis, au fur et à mesure du bouche à oreille et des différents outils de communication, on a évolué et donc on a pu passer en société. Donc en fait, on est, comme vous l'avez dit si bien à l'instant, on est un petit peu les experts du son, de la lumière et de l'animation d'événements. Donc on va avoir trois types de personnes qui évoluent au sein de la société. On va avoir donc des DJ, animateurs, des techniciens, son et lumière, et des musiciens live, pour animer des cocktails ou autres, avec pas mal d'instruments, on a quand même un sacré panel. D'accord. Voilà. Alors vous avez, on va dire, un fichier, vous avez des intermittents du spectacle qui exactement. Participent, enfin, qui sont, que vous recrutez, suivant exactement. L'événement. Exactement, voilà. Donc c'est-à-dire que chaque événement a sa propre particularité, et donc du coup, on n'a pas besoin forcément des mêmes personnes au sein de ces événements-là. On va avoir besoin de techniciens, d'animateurs, de musiciens parfois. Il y en a un sacré paquet d'ailleurs, les demandes sont différentes. Et on dispose de la licence de spectacle, ce qui nous donne la possibilité donc de pouvoir booker des intermittents. D'accord. Comment ça s'est passé cette année? Alors cette année, c'était une belle année. C'était mieux. Mieux, beaucoup mieux qu'en 2020. Ouais. Du coup, parce qu'en 2020, on a eu cette impression d'être un peu les travailleurs à mi-temps. Voilà, donc c'était un coup on peut, un coup on peut pas avec les différentes restrictions qu'on connaît tous. Maintenant, cette année, c'est vrai qu'on a plus eu l'impression d'avoir deux saisons en une. Ah oui, à ce ouais, point. Ouais, c'était sport, physiquement, mentalement, mais on a tenu le choc et puis nos clients sont et tous ravis. Ça faisait du bien. Ça faisait du bien de reprendre. Ça faisait vraiment du bien de reprendre. Le rythme n'était pas le même l'an dernier, il faut dire ce qui est. Et là, cette année, on est vraiment reparti sur une belle saison avec beaucoup d'enchaînements, beaucoup de prestations. On a quand même un calendrier de 180 dates de juin à fin octobre. Ah oui. Voilà, donc il faut l'absorber, mais on est tous très contents de reprendre la voie du travail. D'accord. Donc. Alors, vous êtes sur, vous avez un secteur. Ouais, tout à fait. Donc, on évolue principalement dans le Var. On essaye de pas aller au-delà, ni à droite du côté 06, ni à gauche du côté 13, même si ça arrive qu'on nous demande, et exceptionnellement, on peut y aller. Mais sinon, notre secteur, c'est plutôt le secteur varois. Je peux pas parler de Drassény, parce que sinon, ce serait trop restreint. On évolue vraiment dans le Var, que ce soit sur la côte ou que ce soit dans les terres. Mais c'est vraiment le Var qu'on cible. D'accord, ok. Alors, les prochains événements? Alors les prochains événements, bon, on a encore quelques mariages okay. Là qui arrivent parce que bon évidemment c'est la saison. Nous on fait beaucoup de mariages en été, on est capable de monter jusqu'à 6 en même temps, donc sur un samedi par exemple puisque ça se concentre principalement sur le samedi. On a eu énormément aussi de mariages en semaine et puis là on va avoir les pros qui vont attaquer leur soirée de fin d'année et on espère qu'ils seront au rendez-vous parce que les demandes sont toujours assez tardives pour les soirées de fin d'année justement. Mais on va espérer qu'il soit au rendez-vous un maximum. Ben oui, ben écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas Sonorisation 83, n'hésitez pas à venir voir Jérémy et son associé Nicolas. Alors c'est ça, il y a exactement. Plusieurs cordes à son arc. Oui, cordes à son arc, c'est ça. Les saxophonistes également. C'est ça, voilà. Musicien. On s'est bien trouvé. Moi, j'étais plus dans l'animation et puis lui, dans le côté musicien. Les donc, deux font la paire. Les deux font bien la paire et puis on est content d'avoir pu transformer notre passion en réalité et en travail. D'accord. Vous êtes. Donc c'est un, on va dire un petit showroom, pas un showroom. C'est ça. Un petit salon. Un petit dans salon lequel... pour recevoir nos clients. Voilà. Alors vous êtes là à quel moment? Alors nous on est ouvert ici pour recevoir grand public, tout le monde, de 9h à 17h du lundi au samedi inclus. Ah oui, c'est énorme. Voilà. On y a un relais évidemment. Bien sûr. Voilà, on a Maureen, notre commerciale, qui est là présente pour répondre au téléphone et aux personnes qui viennent directement se présenter ici. Et nous, on se déplace évidemment ici pour recevoir nos clients et leur présenter notre savoir-faire tout simplement. D'accord. Et après, on a évidemment toute la partie stockage qui n'est pas ici parce que bon, ce serait compliqué au niveau de la logistique.
Donc, on est en zone industrielle, on a tout notre stock matériel. D'accord. Voilà. Bah, écoutez, Jérémy, moi, une belle continuation, encore plein de dates. Mais je le souhaite. Pour aller jusqu'au mois de décembre. J'espère, et voilà. Et l'année prochaine, encore. Repartir sur une belle saison. Repartir sur une belle saison. Merci beaucoup de nous Merci avoir reçus. Avec bonne plaisir. Journée. Au revoir. De même.